Dans le cadre de ces séances télévisées consacrées à l'économie, nous allons entamer aujourd'hui la dernière section du chapitre 2. Du chapitre 2, l'évolution de la structure des échanges internationaux de biens et services, qui fait partie de la mondialisation et ses enjeux, la dernière partie de notre programme. Donc, cette section, au fond, termine ce chapitre 2, l'évolution de la structure des échanges internationaux de biens et services. En effet, il s'agit, nous allons voir aujourd'hui, au fond, que l'essor du commerce international que vous avez étudié au cours du chapitre 1 et les différentes mutations qui ont affecté le commerce international et que vous avez étudié au cours des trois précédentes sections, eh bien, toutes ces évolutions ont entraîné la marginalisation d'un certain nombre de pays, de certaines régions, mais aussi ces mutations, ces changements ont profité à d'autres pays. Donc, quatrième section du chapitre 2, l'évolution de la structure géographique des échanges mondiaux. Cette section, on va s'intéresser au cours de cette section, tour à tour, à la tripolarisation des échanges internationaux et ensuite à la nouvelle structure géographique des échanges mondiaux. Au cours de la séance d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser uniquement à la tripolarisation des échanges internationaux. Donc, à la tripolarisation des échanges internationaux, nous allons faire comme si nous étions en classe. On va s'appuyer sur une activité de notre manuel, l'activité 1, page 252, intitulée « Qu'est-ce que la triade ?». Donc, on va lire ensemble, si vous voulez bien. Le commerce international de marchandises est centré sur trois grandes zones, ce qu'il appelle la triade. Cette notion de triade a été popularisée par l'économiste japonais Kenichi Omae pour désigner les trois grands pôles de développement de l'économie mondiale. L'Union européenne, l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Mexique, et l'Asie du Sud-Est, Japon, Corée du Sud, Taïwan, Singapour. Ces pays dominent le monde et ont fait renaître entre eux une forme de commerce triangulaire. Donc, d'après ce texte, trois grandes régions, la triade, domine le commerce international. Il s'agit de l'Union européenne, de l'Amérique du Nord et de l'Asie du Sud-Est, essentiellement le Japon et les quatre dragons, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong. Ce texte date un peu puisqu'il ne cite pas la Chine, par exemple, alors que ce pays est le premier exportateur mondial de marchandises depuis 2010. Donc pour mieux visualiser cette tripolarisation du commerce international, nous allons nous appuyer sur un document qui retrace les exportations mondiales de marchandises par région. Donc, on va commencer déjà par interpréter un chiffre. Au hasard, le chiffre en vert à la droite de votre écran, le 3,4%. Donc, l'année, c'est 2017. La variable, c'est les exportations de marchandises. Et la région, c'est l'Amérique du Sud, Amérique centrale et Caraïbes. Donc, pour interpréter ce chiffre, on peut dire qu'en 2017, les exportations de marchandises de l'Amérique du Sud, Amérique centrale et Caraïbes représentaient 3,4% des exportations mondiales de marchandises. Observons maintenant les trois régions qui nous intéressent, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Donc on voit qu'en 2017, les exportations de marchandises de l'Amérique du Nord représentaient 13,8% des exportations mondiales de marchandises. En ce qui concerne l'Europe, les exportations de marchandises de l'Europe représentaient 37,8% des exportations mondiales de marchandises. Enfin, l'Asie, les exportations de l'Asie représentaient, les exportations de marchandises de l'Asie représentaient 34% des exportations mondiales de marchandises en 2017. Si on fait la somme de ces trois chiffres, c'est-à-dire si on fait la somme de 13,8, 37,8 et 34%, on obtient le chiffre de 85,6%. Ce chiffre signifie qu'en 2017, ces trois régions, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, leurs exportations de marchandises représentaient 85,6% des exportations mondiales de marchandises. Donc on peut bien affirmer que le commerce international est un commerce tripolaire, puisque la majorité, même la très grande majorité des échanges internationaux est concentrée autour de trois grandes zones, l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. En plus, si on regarde bien ce document, on voit que cette tripolarisation est de plus en plus poussée. En effet, en 1953, si on fait la somme de ces trois régions, on obtient 77,6%, c'est-à-dire qu'en 1953, les exportations de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie représentaient 77,6% des exportations mondiales de marchandises. En 1973, ces exportations représentaient 83,1% des exportations mondiales de marchandises, contre 85,6% des exportations mondiales de marchandises en 2017. Donc on voit bien que la tripolarisation du commerce international est de plus en plus poussée. En effet, entre 1953 et
2017, le poids de ces trois régions a augmenté de 8 points. Si on fait 85,6% moins 77,6%, on obtient 8 points de pourcentage. Une petite remarque ici concernant ces points de pourcentage. Un certain nombre d'élèves, je pense que certains d'entre vous, pourraient se demander pourquoi, comme les chiffres sont exprimés en pourcentage, pourquoi on ne dirait pas tout simplement que le poids de ces trois régions a augmenté de 8%. Ben, il faut se rappeler que si vous dites ça, ces 8% deviennent un taux de variation. Or, un taux de variation, sa formule, elle est simple, c'est la valeur finale moins la valeur initiale sur la valeur initiale. C'est une variation relative. Or, ici, ce qu'on a fait pour obtenir ce 8, c'est, on a fait juste valeur finale moins valeur initiale, 85,6 moins 77,6. Donc, ce n'est pas un taux de variation. C'est pour ça qu'on parle de points de pourcentage. D'ailleurs, si vous avez une calculatrice, plus probablement un portable à côté de vous, vous pouvez faire l'opération. 85,6 moins 77,6 sur 77,6 fois 100, vous n'obtiendrez pas 8, mais je pense plus de 10%. Donc première caractéristique de cette tripolarisation du commerce international, c'est qu'elle est de plus en plus poussée. Deuxième caractéristique, c'est que si on observe chacune de ces trois régions, ben, on voit bien que pour l'Amérique du Nord, il y a un pays dominant, c'est les États-Unis. Pour l'Europe, le pays dominant, c'est l'Allemagne. De même pour la région asiatique, le pays dominant, c'est la Chine. C'est-à-dire que chacun de ces trois pôles est organisé d'une manière hiérarchique autour d'un pays leader. Donc le pôle Europe est organisé autour de l'Allemagne, troisième exportateur mondial de marchandises. Le pôle Asie est organisé autour de la Chine, premier exportateur mondial de marchandises. Enfin, le pôle Amérique du Nord est organisé autour des États-Unis, deuxième exportateur mondial de marchandises. Voyons maintenant s'il y a d'autres caractéristiques en revenant à notre activité 1, page 252. Ben, en 1984, le commerce transpacifique, c'est-à-dire le commerce entre l'Amérique du Nord et l'Asie, puisque c'est l'océan Pacifique sépare ces deux continents, c'est pour ça qu'on parle de commerce transpacifique, est devenu supérieur au commerce transatlantique. Là aussi, il s'agit des échanges du commerce entre l'Europe et l'Amérique du Nord, puisque entre les deux, il y a l'océan Atlantique, donc on parle de commerce transatlantique. Donc, est devenu supérieur au commerce transatlantique, alors qu'au début des années 1960, il lui était 2,5 fois inférieur. En 1993, pour la première fois, les exportations des États-Unis vers l'Asie dépassent les ventes américaines vers l'Europe. Ces faits majeurs démontrent un déplacement du centre de gravité de l'économie mondiale vers l'Asie. Donc, d'après ce texte, depuis 1993, les échanges transpacifiques, les échanges entre l'Asie et l'Amérique du Nord sont devenus plus importants, sont devenus supérieurs aux échanges entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Pour mieux visualiser au fond ce constat, on peut s'appuyer sur ce document qui reprend les trois grandes régions, Amérique du Nord, Asie, Europe, et les flux d'exportation et d'importation entre elles. Donc on voit bien que en 2017, les exportations de l'Asie vers l'Amérique du Nord, ce chiffre c'est 6,5, c'est-à-dire que les exportations de marchandises de l'Asie vers l'Amérique du Nord représentaient 6,5% des exportations mondiales de marchandises, contre 3,3% seulement en ce qui concerne les exportations de marchandises de l'Europe vers l'Amérique du Nord. De même, les exportations de marchandises de l'Amérique du Nord vers l'Asie représentaient 3% du commerce des exportations mondiales de marchandises en 2017, contre 2,2% seulement la même année en ce qui concerne les exportations de marchandises de l'Amérique du Nord vers l'Europe. Donc, il est clair que les échanges transpacifiques, les échanges entre l'Asie et l'Amérique du Nord sont plus importants que les échanges entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc, on peut bien affirmer que les échanges transpacifiques sont plus importants que les échanges transatlantiques. Un dernier constat maintenant important concernant la tripolarisation du commerce international, c'est l'ampleur, l'importance des échanges intra-zones. C'est quoi les échanges intra-zones ? C'est les échanges qui se font au sein d'un même ensemble. Par exemple, ce chiffre-là, 18,1%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'en 2017, les échanges à l'intérieur de la zone Asie, c'est-à-dire les échanges entre pays asiatiques, les échanges ou les exportations de marchandises à l'intérieur de la zone Asie, représentaient 18,1% des exportations mondiales. De même, la même année, en Europe,
les exportations de marchandises au sein de la zone Europe, c'est-à-dire à l'intérieur de cette zone, représentaient 26,1% des exportations mondiales de marchandises. Enfin, pour l'Amérique du Nord, les échanges intra-zone représentaient 6,9% des exportations mondiales de marchandises en 2017. Donc on voit bien, si on regarde ce document, que le chiffre le plus élevé lorsqu'on parle de commerce interzone, c'est 6,5, ce qui est inférieur au chiffre le moins élevé des échanges intra-zone. Donc on peut bien affirmer qu'au sein de la triade, le commerce intra-zone est plus important que le commerce interzone. Donc, on va récapituler un tout petit peu, rapidement plutôt, tout ce que nous avons vu jusque-là. Donc, là, on a une tripolarisation, le commerce international est caractérisé par une tripolarisation de plus en plus poussée du commerce international. En effet, plus de 85% des exportations mondiales de marchandises, on l'a vu, provenaient des trois pôles en 2017 contre 77,6% en 1953. Au sein de cette tripolarisation, deuxième caractéristique, les échanges intra-zone, à l'intérieur d'une même zone, sont majoritaires, même pour l'Amérique du Nord, où ils atteignent 51%, surtout pour l'Union européenne, où plus des deux tiers des échanges de l'Union européenne, justement, sont des échanges intra-zone. Enfin, les échanges transpacifiques sont devenus plus importants que ceux transatlantiques. Pour terminer la séance d'aujourd'hui, on va faire une toute petite évaluation pour un peu rappeler le calcul de part. Donc vous avez un tableau qui retrace les importations mondiales de marchandises pour un certain nombre de régions. Donc on a en milliards de dollars les valeurs de ces importations pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. La question, c'est que, sachant que la valeur des importations mondiales de marchandises s'élevait à 17 572 milliards de dollars, calculez la valeur des importations de l'Europe, c'est ce qui manque ici, puis calculez et interprétez le poids des importations de l'Asie en 2017. Donc on va commencer déjà par calculer la valeur des importations de l'Europe. Donc l'Europe, nous avons un seul chiffre, c'est 37,1. Comment l'interpréter? C'est-à-dire en 2017, les importations de marchandises de l'Europe représentaient 37,1% des importations mondiales de marchandises. Et comme la valeur de ces importations mondiales est de 17 572, eh ben, il suffit alors de multiplier 17 572, c'est-à-dire le total de la valeur de ces importations, fois la part de l'Europe, 37,1%, c'est-à-dire 37,1 sur 100. On obtient 6 519,212 milliards de dollars, c'est-à-dire que les importations de l'Europe, les importations de marchandises de l'Europe en 2017 avaient une valeur de 6 519,212 milliards de dollars. Deuxième question, calculer et interpréter le poids des importations de l'Asie. Donc, en ce qui concerne l'Asie, nous avons la valeur de ces importations, 5 535,180 milliards. C'est une partie d'un total. Le total, c'est les 17 572, c'est le montant des importations totales mondiales de marchandises. Donc, pour calculer la part des importations de l'Asie, nous allons tout simplement faire ensemble, sous-ensemble, sur-ensemble. Le sous-ensemble, c'est les 5 535,180, c'est la valeur des importations de l'Asie, sur le total, la valeur totale des importations de marchandises en 2017, c'est-à-dire 17 572, fois 100 pour l'obtenir en pourcentage, donc on obtient 31,5%. Ben, on va l'interpréter. Tout simplement, en 2017, 31,5% des importations mondiales de marchandises avaient pour destination l'Asie. Deuxième question, constater l'importance de la tripolarisation du commerce international. Donc la consigne, c'est constater, il n'y a pas à expliquer. Comme vous avez un tableau, il faut se focaliser sur les trois régions qui sont au cœur de la tripolarisation, c'est-à-dire l'Amérique du Nord avec le 18,7%, l'Europe 37,1% et l'Asie avec 31,5%. Ce sont les trois régions qui sont au cœur de la tripolarisation. Donc pour constater l'importance de la tripolarisation, il faut faire la somme de ces trois chiffres. Donc on obtient le chiffre de 87,3%. Ce chiffre veut dire quoi? Ben, tout simplement qu'en 2017, les importations de marchandises de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de l'Asie représentaient 87,3% des importations mondiales de marchandises. Donc, vous voyez que ce chiffre est encore plus important que celui relatif aux exportations de marchandises.
Voilà, cette séance d'aujourd'hui est terminée. Merci pour votre attention et à bientôt.